Allô! Bonsoir tout le monde! J'espère que vous allez bien! Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit direct. Donc je vais voir s'il y en a qui vont se brancher, j'espère que je vais vous voir. C'est parce que comme je vous dis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, fait que j'espère que je vais vous voir apparaître là dans mon fil. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va baisser un petit peu. J'espère que c'est pas trop fort, mais moi j'aime ça avoir un petit peu de musique. Yes! Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ce soir, j'avais envie de vous partager un petit peu c'est quoi mon métier? C'est quoi mon métier de conseillère? Jaser avec vous les peurs, les tabous. les préjugés surtout. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une conseillère, Mary Kay, conseillère de beauté. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va attendre encore une petite minute, voir si vous vous joignez pas des fois à moi, parce que moi, je m'ennuie. Ah, bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Allô? Bienvenue! Bienvenue. C'est ça. Ce soir, on va démystifier c'est quoi le travail d'une conseillère Mary Kay, puis les raisons pour lesquelles tu réserverais ton rendez-vous beauté avec moi juste à temps pour le temps des fêtes, parce que là, ça a commencé à se remplir effectivement. Hein? On va rentrer dans la période de l'année là où les femmes veulent être belles, les femmes veulent être à leur avantage. Donc, voilà. Ben, c'est ça. Je suis votre conseillère beauté à domicile. Je suis celle qui peut, je pense, mieux vous conseiller. Et puis, si je me trompe, ben, si je me trompe parce que je suis humaine, ben, il y aura toujours la garantie satisfaction de la compagnie qui s'appliquera à ce moment-là. Je vous raconte une anecdote que j'ai eue cette semaine avec une cliente et j'arrive chez cette cliente-là cette semaine et on traite sa peau vraiment au moment présent. Donc, c'est un peu ça aussi que je voulais démystifier avec vous, les peaux normales, les peaux sèches. Avez-vous des sensibilités? Est-ce que vous la nettoyez bien, votre peau? C'est important. Il y a encore des... Tu sais, je rencontre encore des femmes qui nettoient leur peau avec seulement de l'eau. Mais la question à vous poser, c'est... Puis elle voit pas le nécessaire, je comprends là, parce qu'elle voit pas le, elle voit pas nécessairement l'avantage d'avoir un cosmétique ou un nettoyant spécialisé pour leur visage. Alors ça là, c'est toutes mes peaux normales. Mes peaux normales là, c'est ça. Vous avez jamais eu de problème de peau, jamais eu de problème d'acné. Peut-être un bouton ou deux pendant les règles et c'est tout. Donc, vous voyez pas la nécessité de vraiment bien nettoyer la peau et d'avoir un soin adéquat. Ben, c'est ça. La question à vous poser, c'est si je vous donnais accès à seulement de l'eau pendant une semaine de temps chez vous pour nettoyer toute votre maison ou vos vêtements ou vos cheveux, ça serait-tu propre? Mais c'est la même chose avec votre visage. Et oui, ça prend un nettoyant spécialisé pour le visage parce que le visage, c'est pas la même chose que le corps, hein? Le visage, il sort dehors tous les jours. Il y a toujours les impuretés de l'extérieur qui se déposent. Il sécrète du sébum. C'est comme le fond de la tête, hein? C'est différent. Donc, on utilise un nettoyant pour nos cheveux, un nettoyant pour notre linge, un nettoyant différent pour notre vaisselle, un nettoyant pour notre plancher. C'est la même chose avec notre visage. Ça prend un nettoyant adapté. Il faut nettoyer notre visage, mes dents, matin et soir. Le soir, c'est super, super important de nettoyer son visage parce que la peau, c'est le plus gros organe que tu as sur ton corps. Hein?
Donc, ils t'aident aussi à respirer. J'ai appris ça cette semaine. Ils t'aident à respirer. Là, il y a 1/7 de l'oxygène que ton corps emmagasine qui passe par la peau. Donc, voilà. Si c'est pas bien nettoyé, l'oxygène passe pas. Ça, c'est une première raison. Alors, tu respires pas bien. La deuxième raison, ben, c'est qu'on est allé dehors, on est allé avec les impuretés et tout, donc c'est important d'enlever ça. La troisième raison, c'est que durant la nuit, ton corps se régénère. Hein? C'est là qu'il cicatrise. Si tu as fait des petites blessures durant la journée, les enfants grandissent la nuit. Donc, si tu nettoies pas bien ta peau avant d'aller au dodo, ben avec quoi tu régénères ta peau? Ben avec toutes les impuretés, toutes les petites cellules mortes qui sont sur ta peau. C'est avec ça que tu régénères ta peau. Donc, c'est vraiment important de faire un bon nettoyage avec un nettoyant qui est adapté pour toi. Et souvent, lorsque notre peau n'est pas bien soignée, bien, elle développe des sensibilités particulières. Que ce soit parce qu'elle n'est pas bien soignée ou ça peut être l'environnement aussi. Donc, une peau qui est déshydratée va être très, très, très sensible. Et souvent là, je croise beaucoup de femmes qui vont en pharmacie, qui achètent une bonne crème nettoyante, une bonne crème hydratante, qui commencent à l'utiliser, mais qui finalement ne voient pas de changement. Pourquoi? Ben, ils n'ont pas fait la première étape. Nettoyer! Nettoyer, enlever les impuretés, nettoyer la peau. Nettoyer, là, c'est inclus. Nettoyer, tonifier, exfolier une à deux fois semaine, selon ton type de peau et tout. Là, je rentrerai pas là-dedans avec vous ce soir, mais ça, c'est toutes des choses qu'on voit en atelier. Alors, on soigne la peau, on traite la peau. Au moment où je vous vois personnellement lors de l'atelier du soin du visage, c'est important de bien soigner son visage, hein? Il sort tous les jours, il nous représente. Fait que c'est important, c'est notre personnalité, hein? Les filles, si personne vous regarde dans les yeux ou qui regarde votre visage quand vous lui parlez, là, d'après moi, ou qui regarde ailleurs, d'après moi, vous allez vite changer d'interlocuteur. Fait que c'est important. C'est important votre visage. Donc, la deuxième partie, ben c'est vraiment de l'hydrater. Et quand on nettoie pas bien, ben l'hydratation, qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait juste flotter sur la peau. Alors, c'est pour ça que quand on achète un bon hydratant en pharmacie, mais qu'on n'a pas un programme de soins du visage, ben on trouve que ça sert à rien. C'est ça que je partais pour vous dire au départ. J'ai croisé une femme cette semaine très sympathique, vraiment très sympathique. J'ai eu beaucoup de plaisir, un beau moment avec elle. Et on lui avait traité, elle faisait comme des fois ça nous arrive, hein, il sort des bosses. Puis on pense que c'est des boutons. Puis là, on va en pharmacie. On va en pharmacie, puis on demande, ben là, j'ai un bouton là. Fait que là, il nous donne soit un petit traitement d'impureté ou quelque chose comme ça. On lui avait donné un traitement anti-acnéique pour les boutons. Alors que c'est une femme qui a une peau normale sèche. Plus sèche que normale même. Mais l'acné et une peau normale sèche, ça n'habite pas le même visage. C'est deux choses complètement différentes. Les peaux acnéiques vont avoir vraiment un visage plus mix à grasse, donc la zone en T, là, ici, comme ça, ici, ça va devenir plus gras. Et mix, c'est ça. Puis la peau grasse, ben là, c'est quasiment, ça habite tout le visage, quasiment. Alors, c'est des peaux qui sont obstruées par le sébum et c'est qui cause des boutons d'acné. Alors, on lui avait donné quelque chose pour enrayer ce type de bouton-là. Alors que la petite bosse, le petit bouton qu'elle faisait, ben c'est plutôt une impureté qui a trouvé son chemin parce qu'elle a un port de peau, contrairement au port acné, très, 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 très serré. Et l'impureté est profonde dans son port de peau. Donc, elle dit, ça sort tout le temps par là. Ben oui, c'est le chemin que l'impureté a trouvé pour sortir. Alors, ça va être important pour elle de répéter l'exfoliation, là, puis d'y aller un petit peu plus spécifiquement à ces endroits-là pour justement dégager le port de peau. Parce que oui,
Les impuretés, ça se dépose sur votre visage et si vous ne les nettoyez pas assidûment, ben ça va finir par pénétrer dans votre visage. Hein? Comme on disait tantôt, particulièrement le soir, si vous ne nettoyez pas votre visage le soir, votre peau va se régénérer avec les impuretés. Alors, c'est important de se démaquiller, c'est important de nettoyer, tonifier, hydrater à tous les soirs hein, pour redonner de l'eau à nos... à notre visage, à notre peau. Donc, super important. Chez Mary Kay, on a la chance d'avoir des bons outils de travail. Alors, peu importe la conseillère avec laquelle vous allez faire affaire, elle va être en mesure de vous suggérer vraiment des bons produits adaptés pour vous. Là, je vous dévoilerai pas tous nos secrets de conseillère Mary Kay. C'est sûr que quand on est une conseillère plus chevronnée comme moi, ça va d'emblée. Mais même les nouvelles, comme je vous dis, on a vraiment des bons outils de travail qui nous permettent de vraiment conseiller le bon produit à la bonne personne. Puis la garantie sur nos produits nous permet de travailler avec toi. Donc ça, encore là, c'est fantastique. On a une garantie à vie, 100% satisfaction. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a ça ailleurs. En tout cas, j'ai pas vu nulle part que d'autres compagnies offraient cette garantie-là sur leurs produits. Ça va te permettre, ça va me permettre de travailler avec toi, hein, de voir comment ta peau va évoluer au fil des semaines. Et ça permet aussi d'offrir des petits cadeaux d'édition limitée, comme là, on va en avoir plusieurs, là, des autres parfums, des petites choses comme ça. Ben, tu sais, c'est évidemment des petites choses que tu vas trouver en pharmacie, effectivement. Mais si l'odeur plaît pas, si la couleur ne fait pas, ben, tu pourras pas l'échanger. Tu vas pouvoir en acheter un autre. Mais chez nous, on échange. Hein? Fait que ça, c'est super le fun. Alors, c'est ça. Moi, je me déplace chez toi. Je fais ton diagnostic de peau. Puis, on fait un premier soin en atelier. Pour bien traiter ta peau, pour bien la réhydrater, hein, parce que souvent, comme on disait plus tôt, ça se peut que ce soit des conditions extérieures qui créent une sensibilité à ta peau. On voit souvent, parce que ma fille a patiné, elle a fait du patin artistique, on voit souvent les personnes qui fréquentent, par exemple, les arénas. Durant un trop long laps de temps, ils finissent par développer de la couperose ici. Hein, sont plus rouges ici. Mais parce que le froid de l'aréna, ben ça fragilise la peau. Donc, on développe une sensibilité particulière, mais c'est dû à l'environnement. Alors, c'est pas toi, mais c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Alors, c'est important d'avoir un soin adapté qui va prendre en considération ça. Et ce qui est fantastique aussi par la suite, c'est qu'on va suivre ton évolution, un premier suivi 2 jours après, 2 semaines après, puis ensuite, ben c'est aux 2 mois, puis on garde contact, puis on se fait des nouvelles amies. C'est super excitant, c'est super le fun. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de nouvelles amies tout le temps, fait que ça, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Deuxième atelier que j'offre, qui est offert aussi par toutes les conseillères en soins de beauté Mary Kay, c'est l'atelier de maquillage. L'atelier maquillage, là, c'est vraiment excitant parce que là, ta peau est bien hydratée, puis on va juste rehausser ta beauté. Hein? Le maquillage, c'est pas là pour camoufler, mais c'est là pour rehausser. Donc, on fait vraiment toutes les étapes là, d'un maquillage. Un maquillage beauté, puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se maquillent pas parce que, elles ont pas le temps. Il y en a qui me disent, écoute, Nancy, j'ai même pas le temps de prendre mon café le matin, tu penses-tu que j'ai le temps de me maquiller? je comprends. Puis c'est pour ça que, durant cet atelier-là, je les outille, justement, pour faire un maquillage en dedans de 5 minutes, 2 minutes, tu sais, dépendamment de ce qu'elles veulent faire. C'est quoi les faux pas qu'il faut pas faire en maquillage? C'est quoi tes harmonies naturelles? Comment ajuster ton fond de teint? Si on voit une petite ligne ici, là, on fait ça, comment ajuster ton fond de teint?
Allô, Monia! Merci beaucoup, t'es gentille! Coucou! Ah, ben oui, je vais t'inviter! Viens-t'en! Ajoutez! Elle joue en cours. Ça sonne! Je sais pas si elle va répondre. Je sais pas. Refus, elle veut pas! Parfait! Je pense que c'est dans la musique que ça sonne en même temps. Fait que, bon, OK! On va ajuster ton fond de teint. On va pas travailler avec son fond de teint. On va vraiment bien l'ajuster. Et ce qui est fantastique avec nos nouveaux fonds de teint, c'est qu'ils ont vraiment une technologie IntelliMatch. Donc, si moi ou toi, ça fonctionne pas, ben je t'ai envoyé une... tu m'as demandé une demande, puis ça a fait refuser, Monia. Moi, je t'ai envoyé une demande d'ajuster. Renvoie-moi une demande, on va réessayer. Ça va être le fun. Viens-t'en! c'est important de pas travailler avec un fond de teint, mais de bien l'ajuster. Ce qui est fun avec notre... c'est pas grave. Pas grave, Monia. Ça aurait été le fun. On va faire un test prochainement, puis on le fera ensemble. Ça serait super le fun, par exemple. C'est une belle idée. Donc, notre nouvelle technologie IntelliMatch, là, si moi pis toi, on diagnostique la même couleur, ben sur moi, ce sera pas la même couleur que sur toi. Parce qu'il y a quand même des petites différences de peau, puis on est toutes uniques. Donc, la technologie IntelliMatch va vraiment prendre le ton teint, ta couleur à toi. Donc, on a vraiment, là, une grosse... des bons produits là qui vont appuyer notre savoir-faire, puis notre savoir-faire va se développer là au fur et à mesure. Donc c'est ça la beauté de Mary Kay. Et ensuite on va faire tes harmonies naturelles, donc comment choisir tes couleurs et tout, puis c'est toi qui vas le faire. Ça c'est le but vraiment extraordinaire les filles, parce que vous manipulez les pinceaux des pros, c'est vous qui faites votre maquillage. Ça veut dire que c'est des petits trucs que vous allez être capable de refaire à la maison. Hein? Si tu vas faire chez le coiffeur un super de beau brushing et puis que t'es pas capable de le refaire par la suite chez toi, ben je suis pas sûre que tu vas l'aimer finalement ton super de beau brushing. Mais chez Mary Kay, c'est ça, hein? C'est de vous apprendre à travailler avec votre maquillage, puis rapidement, pour que ça puisse vous convenir et tout. Allô Brigitte, super contente que tu regardes, c'est gentil, merci. Donc, puis c'est tout des... on va pouvoir personnaliser tes couleurs à toi, parce que c'est toutes des couleurs vendues individuellement, avec toutes des boîtiers rechargeables. Alors, souvent, quand on achète des boîtiers, ben on utilise une couleur plus qu'une autre, puis on fait tout ça. Mais quand la couleur est finie, qu'est-ce qu'on fait avec le boîtier? Mais la boîtier, il est comme terminé, on ne l'utilise plus. Ou on va racheter le même boîtier, mais là, on se retrouve à tout le temps dédoubler des couleurs qu'on utilise moins. Fait qu'en ayant des boîtiers rechargeables, ben ça nous permet de, un, de les personnaliser, puis de deux, ben de juste reprendre la couleur et de recharger notre boîtier de cette façon-là. On en a trois super formats. Le format mini, le format belle palette avec un beau miroir, puis le format pro palette, là. Donc, on a du choix. On a du choix pour toutes les filles. On a du choix pour les filles qui aiment se maquiller. On a du choix pour les filles. On peut faire des maquillages très légers, très nids pour les filles qui aiment ça. Très, très, très naturel. Donc, on s'amuse là-dedans. On s'amuse vraiment. Et ça, c'est un atelier que je donne une fois par mois chez moi. Et l'événement est en haut. Tu peux aller voir, tu peux aller zioter. Tu peux demander à ton amie qui est ma cliente de t'y amener aussi. Ça va me faire plaisir. Mais évidemment, les places sont limitées. Fait que plus tu vas réserver vite ta place, ben plus tu vas t'assurer d'être là puis d'avoir tes trucs juste avant Noël. Et ça, c'est le fun, parce qu'avant Noël, on veut être à notre meilleur. On veut vraiment être à notre meilleur. Donc, je pense que ça fait un bon tour de ce que je peux faire. Je suis vraiment votre spécialiste beauté qui se déplace à la maison
qui te livre tes produits au moment qui te convient, hein? On prend toujours, tu me dis, ah, Nancy, j'aurais besoin de ça, parfait. Je m'assure que les produits que tu me demandes sont vraiment adaptés pour toi. Puis, je les livre, là, soit au bureau, chez toi, à l'heure qui te convient. Ça nous permet aussi, en même temps, de garder contact, de prendre de tes nouvelles. Donc, c'est un peu ça, notre travail, c'est de m'assurer que ce que tu utilises est adapté pour toi, te convient, et dans ton harmonie naturelle pour le maquillage, de t'apprendre quelques trucs, de partager mes trucs pour que ça aille vite le matin, partager mes trucs pour que ton visage vieillisse tout en beauté avec toi, que tu sois fière de la personne que tu es. Puis là, tu sais, les filles, là, on va pas rentrer dans le cliché de « Ah, oh, elle se maquille pas », peu importe, là, ça a pas d'importance. C'est vraiment que toi, tu sois bien, que tu sois fière, que ta peau soit bien soignée, que tu prennes soin, vraiment, de ta peau, que tu l'exfolies, que... Vraiment, que tu aies des produits adaptés pour toi, puis surtout que tu arrêtes de jeter ton argent par les fenêtres, hein, parce que... Tu sais, moi, cette semaine, la madame que j'ai croisée, qui avait un produit qui était pour des boutons acnéiques, alors qu'elle a pas une peau mixte à grasse, elle a jamais fait d'acné, ben elle a un peu jeté son argent par les fenêtres en achetant ce produit-là, il lui convient pas. Puis soyons honnêtes, là, combien de rouge à lèvres on a mis à la poubelle, parce que finalement, là, tu sais, notre couleur de lèvres, on a toute une pigmentation, puis combien de rouge à lèvres t'as mis à la poubelle, parce que, oh, finalement, ça fait pas la couleur que t'avais essayé sur ta main. Ça fait pas la bonne couleur. Combien de fonds de teint que t'as pas porté parce que justement, en l'essayant sur ta main à la pharmacie, c'était pas la bonne couleur. C'est de l'argent. De l'argent que tu peux garder dans tes poches. Fait que c'est pour ça. Moi, je sers à ça. Te faire économiser, te conseiller les bons produits. Ben pour celles qui aiment aller en esthétique après, ben c'est le fun parce que leur peau est bien soignée. Fait qu'on peut faire des soins incroyables maintenant en institut. Hein? Elles se sont perfectionnées. Si nous, on a de la biocellulose, elles ont des soins extraordinaires maintenant. Donc, toujours un petit. Toujours quelque chose que tu vas pouvoir faire. Si pour toi, c'est important de sortir de chez toi et d'avoir un moment juste pour toi. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai pas vu de questions passer. Donc, si au courant de la soirée, tu as des questions à me partager, ça va me faire plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Je suis vraiment là pour démystifier ce que je fais, lever les préjugés, hein, parce que nous, on est des conseillères, hein, puis c'est pas pour rien, hein. Tu sais, les mots, ça signifie encore quelque chose, hein. On est des conseillères, on n'est pas des représentants. Moi, je représente pas les produits Mary Kay. Je conseille des produits Mary Kay. Selon tes besoins à toi, selon ce que ta peau a de besoin. C'est différent. C'est vraiment différent. Donc, si tu as des questions, écris-les en bas, puis je vais me faire vraiment un beau devoir de te répondre. Ça va me faire grandement, grandement plaisir. Mais surtout, surtout, si tu veux vivre l'expérience, hey, les filles, l'expérience, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Je me déplace gratuitement chez toi. On diagnostique ta peau. Ensuite, on fait le traitement nécessaire, on fait le suivi. Ça te permet d'essayer, de voir, de toucher, de sentir, d'expérimenter, hein? L'expérience, le produit, puis l'expérience, puis moi aussi. Donc, profites-en, profites-en. Je suis certaine que t'as jamais vécu une expérience aussi fun que ça. Donc, ça peut se faire avec une amie. Ça peut se faire toi toute seule. Ça peut se faire en gang. Des fois, hein, c'est un beau prétexte pour inviter des amis. Puis se faire une soirée là, girly. Une soirée de filles là, girly. Puis de toute façon, je prends toujours, toujours un moment là à la fin de la soirée pour jaser avec toi. Puis revoir si ça a vraiment répondu à tes besoins et tout. Fait que c'est des expériences super le fun.
Donc, écoute, moi, je t'invite à être ton meilleur juste avant le temps des fêtes. Si t'as encore des questions, pose-les. Sinon, ben écoute, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé. Hey, Nancy, j'aimerais ça. Comment ça, tu viens de chez moi? J'aimerais ça que tu me fasses essayer ça. Ça va me faire tellement plaisir de faire ça pour toi, de le faire avec toi. Voilà. J'espère que tu as aimé ça. Puis là-dessus, ben, je vais te souhaiter une belle soirée. N'hésite pas à poser tes questions. Coucou Isabelle! Ça me fait plaisir que tu regardes. Hein. C'est le fun, les filles. Merci beaucoup pour vos encouragements. Bye! Bonne soirée!